Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce mardi pour passer un bon mardi. Tout de suite, le rappel des titres de ce mardi pour passer un bon mardi avec Nivea Crème. C'est comme ça qu'on t'aime. Roland Garros, c'est une surprise. Élimination hier de Bonnepère. Non, s'il vous plaît. Ah, il a perdu en 5-7. On pensait qu'il aurait perdu en 3-7. Alors, tu vois, c'est une surprise. Oui, c'est bon, Bonnepère qui a dit que s'il avait perdu, c'était, je cite, de la faute des balles. Ah, oui. Il a raison. Bah, c'est toujours comme ça. Quand tu perds tes clés, bah, c'est la faute des clés. C'est les fautes des clés. Allez, hop, je me tire de cette poche à la con. Toi, c'est pas toi qui as tête en l'air. C'est la faute des clés, tu vois. Bon, bah là, c'est la faute de la balle. Voilà, qui a dit non, j'irai pas en face. Me saoule pas, j'irai pas. En fait, Benoît Paire, il est insoumis, comme Mélenchon. Et comme Mélenchon, lui aussi, il passe jamais le premier tour. Alors, suite à l'élimination de Benoît Paire au premier tour de Roland-Garros, le gouvernement a mis en place un numéro vert pour les victimes de raquettes. Un tronçon du Grand Canal de Venise a brusquement viré au vert fluorescent dimanche. Ah, manifestement, Hulk était en vacances là-bas et il a pissé dans le canal. C'est aujourd'hui qu'une campagne de prévention sur la sécurité des femmes est lancée partout en France. Alors, je vous en rappelle le principe. Des policiers vont donc distribuer 5 millions de flyers pour dire que non, agresser des femmes, c'est pas bien. Voilà qui devrait décourager les potentiels agresseurs de savoir que maintenant, pour se défendre, les femmes pourront donner des coups de prospectus. Tiens, ou faire un avion en papier, leur balancer dessus. Tiens, tremble, vilain sauvageon. Alors, il y a quelques semaines, Bruno Le Maire avait donné jusqu'à fin mai aux industriels pour qu'ils baissent leurs prix. Hey, allez, fin mai, c'est là. C'est vrai, plus qu'un dodo et on retrouvera notre vie d'avant. Ouais. Selon une récente étude, un mineur sur trois regarde du porno au moins une fois par mois. Dora la dominatrice, à quatre pattes patrouille, Zob l'éponge. Dis donc, ils ont bien changé les programmes pour enfants maintenant. Moi, à mon époque, on avait quoi, Jackie et Dorothée. Maintenant, ils ont quoi, Jackie et Michel. Moi, c'est presque pareil. C'est pareil, arrête. Une Australienne de 95 ans meurt après une décharge de taser. Oh bah, se prendre une décharge à cet âge-là, ça peut faire rêver pas mal de mamies. 175 pays réunis pour lutter contre le plastique en ce moment à Paris. Ah bah, les candidates de télé-réalité sont inquiètes. Si on interdit le plastique, que deviendront-elles? Je rappelle qu'une bouteille de cristalline en moins, c'est un sein de Nabila qui disparaît. Un 5 plastique d'économiser, c'est une fesse de Kardashian qui s'éteint. C'est ce monde-là que vous voulez laisser à nos enfants. C'est ça que vous voulez. Moi, je dis non. Enfin, la question du jour. Pour les JO 2024 de Paris, l'aréna olympique sera Porte de la Chapelle. Est-ce que c'est parce qu'on a voulu mettre des cracks là où on en vend? Je vous laisse 2 heures. Vous avez 2 heures. Heureusement, dans 215 jours, c'est fini 2023.